Bonjour les amis. Alors c'est une vidéo un peu particulière aujourd'hui. Je voudrais peindre ce décor donc du chercheur d'or. Mais avant de le peindre de la façon classique, je voudrais faire cette vidéo qui va durer peut-être qu'une demi-heure ou peut-être moins ou légèrement plus, qui va aborder une autre façon de voir la peinture. Je m'explique. Je vais essayer en tout cas de m'expliquer au mieux. C'est-à-dire que, en temps normal, on aurait par exemple passé un jus ici de couleur très foncée, marron très foncé, puis après au fur et à mesure venir éclaircir ou peindre de façon ocre, marron, ocre, et puis passer un jus, un filtre qui va rentrer dans les creux. Puis après on se serait occupé de la caisse, on aurait bien délimité la peinture de la caisse, etc. Bon, ça c'est la façon, on va dire, classique de peindre la figurine. Puis après on serait occupé du manche en bois, de ça, de la dynamite, enfin vraiment séparé. Aujourd'hui je vais vous montrer une approche qui, de toute manière, à la fin de celle-ci, on pourra à nouveau utiliser l'ancienne approche. Car l'approche que je viens de citer là, précédente, donc, elle est dans la précision, c'est-à-dire qu'on va peindre toute la caisse d'une certaine couleur, et puis après on va s'occuper de chaque branche, chaque latte de bois. Là on est dans le détail. Sauf que ça on pourra le faire après ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Aujourd'hui, si on regarde certaines images de tableaux, etc., on voit effectivement le sol dans les teintes, comme on a dit, légèrement ocre, marron, avec des ombres, etc., bien foncées sous les cailloux, etc. On voit. Mais ce que je vois aussi, et que vous allez commencer à apprendre à voir, c'est qu'il n'y a pas que de l'ocre et un jus marron. Je vois de l'orange, du rouge. Je vois un peu de vert, de violacé. Alors, je sors peut-être un peu de l'écran. Là, je vois un peu de magenta violacé. Là aussi, du magenta. Il y a plein de couleurs en dessous de ce qu'on aurait peint de façon normale, c'est-à-dire notre couleur terre ocre et du marron. C'est-à-dire que le débutant, lui, il va donc faire une couleur de base, passer des ombres, vous voyez, marron-noir là, et c'est tout. Ce qui va se retrouver avec quelque chose de très, en termes de couleur, de très pauvre en fait. Là, ce que je voudrais, c'est vous montrer une technique qui, de toute manière, même si vous la recouvrez entièrement après, c'est pas grave. L'avantage, c'est qu'il y sera dessous, et l'autre avantage, c'est que, par expérience, vous allez laisser paraître certaines de ces couleurs, parce qu'en fait aujourd'hui on va s'occuper que de tout ce qui est magenta, orangé, bleuté, verdâtre, toutes ces couleurs un peu magiques et surréalistes qui peuvent faire penser au départ à du fantastique, mais ce n'est pas fantastique justement. Et une fois qu'on aura mis tout ça en place, à la vidéo suivante, on viendra remettre nos couleurs de terre avec quelques jus marrons qui viendront unifier tout ça, mais par en dessous transparaîtront, on verra apparaître un peu de violacé, un peu d'orange, un peu de vert, etc., mais filtré et couvert. Donc pas d'inquiétude, ce travail là qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire plein de mélanges de couleurs sur tout l'ensemble du décor, y compris la caisse et tout, sans me soucier que ça c'est en métal, ça c'est en bois, ça c'est ceci, etc. On verra ça après, lorsqu'on peindra vraiment le décor comme il se doit en fait. Là, c'est vraiment juste pour y donner du peps. Donc, c'est vraiment une vidéo relativement courte, mais intense et riche en couleurs. Donc, je vais poser ça. Je vais prendre des couleurs intenses. Je prends du magenta que je mets sur ma palette. Je vais prendre de l'orange. Toutes les couleurs bien vives. Parce que de toute manière, mélanger les unes aux autres, je vais les poser de façon très diluée.
mélanger les unes aux autres, là je mets du vert, ça va donner, si vous avez bien suivi la roue des couleurs, ça va donner des teintes plus éteintes. Donc ça va être très 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 intéressant. Ce marron rouge que j'aime bien, ce rouge oxyde. Et pourquoi pas un peu d'ocre. Et là, on va favoriser le plaisir d'aller vite, le plaisir de s'amuser. Tiens, on va mettre un bleu aussi. Allez, le premier bleu que je trouve là. Et je regarde si j'ai d'autres couleurs à côté. Pas besoin de mettre de marron. J'ai failli mettre du marron, mais c'est pas la peine parce qu'une fois que je vais mélanger tout ça, on va s'approcher du marron de toute manière. Ça va être éteint et vous allez voir. Et là, je vais donc pas bouger la figurine, enfin le décor, et je vais avec mon pinceau mettre beaucoup d'eau. Toujours mon eau sale. On la voit ici, là, elle est sale. On voit qu'elle est sale, oui. Et on va commencer avec du magenta. Et là, j'y vais n'importe comment. Je mets beaucoup d'eau. Et je ne peins pas tout. Je mets par endroit, que ce soit sur le... de l'eau. Voilà. Juste le fun. Le plaisir de balancer des couleurs. Alors c'est très vif, hein, vous inquiétez pas. Quand on peindra vraiment la figurine, tout ça, ça va disparaître. Alors, du moins, il y aura des endroits où ça va transparaître. On va mettre de l'orange. Et du coup, ça va tout lier tout l'ensemble du décor ensemble. Je propose ça. Bon, alors vous n'êtes pas obligé de le faire. Je le propose parce que c'est une façon de libérer. Là, on va partir sur le vert. C'est une façon de libérer le stress de pas réussir, de pas faire. Ouais. Et le fait de mélanger après. Vous voyez, ça transforme en marron un peu par endroit. Donc, vous inquiétez pas. On a toujours moyen avec des filtres après de revenir sur justement des couleurs plus terre. Mais dessous paraîtront ces couleurs-là. Tiens, hop, un peu d'ocre. Voilà, hop. Vous voyez comme ça commence à devenir terreux et moins vif que tout à l'heure. C'est très dilué à l'eau. Donc une fois... Alors ça va mettre un moment à sécher. Mais une fois que ça sera sec, ça va... Alors je le tourne un peu parce qu'il y a des endroits que j'ai pas peint. Une fois que ça sera sec, ça va être atténué. Et donc quelle couleur j'ai pas utilisé? J'ai pas utilisé celui-là. Je nettoie même pas mon pinceau. Vous voyez? Hop. Et je rajoute un peu de couleur n'importe où. Ça a vraiment pour but de libérer, de vous. J'avais pas mis de bleu, tiens. Hop, voilà. Je mélange un peu tout. Voilà. Vraiment pour libérer le contexte. Il faut faire attention, etc. Je remets du violet. Un peu d'orange. Vous voyez comme ça devient marron. Alors, j'ai bougé un peu. Ouais. Là où il y a du bleu, quand je mets de l'orange, ça devient marron. Voilà. Tout simplement. J'ai préparé plein de couleurs en dessous de mon décor. Quand tout sera sec, je prendrai un pinceau, alors peut-être un pinceau plat comme ça, et je viendrai avec une couleur de préférence marron terre, et je viendrai commencer à faire un dry brush par-dessus, qui va faire ressortir tous les cailloux et le sable. Au fur et à mesure, je vais éclaircir, donc je vais commencer à travailler le terrain, les cailloux et tout.
Et en dessous, paraîtra ces bleus, violets, marrons, jaunes, verts, tout ça va apparaître. Et une fois que j'aurai bien monté les éclaircies, je vais passer un petit filtre d'un marron neutre qui va venir atténuer si c'est trop bleu, trop violacé, etc. Si ça l'est pas, on ne met pas de filtre. Si ça l'est, on mettra un filtre pour atténuer. On est toujours à temps d'atténuer des choses trop colorées. Pareil pour la caisse. Je viendrai peindre chaque latte de bois tranquillement et dans les creux apparaîtront ces trucs bleutés, rouges, violacés. Et si c'est trop pareil, je mettrai un filtre qui rentrera dedans pour atténuer ces couleurs trop vives. Parce que vous voyez, sur la palette, là c'est violet, d'accord? C'est trop vif. Maintenant je mets du vert. Hop, je mets du vert, je mets de l'orange, je mets ce marron, je remets du violet, je mets du vert. Plus je mélange, et plus j'ai un truc qui devient gris. Bon, là, il y a une tendance un peu plus forte en violet, parce que j'ai mis beaucoup de violet, mais si je mets une autre couleur, voilà, vous voyez, ça devient marron. On n'est plus du tout dans le violet, voilà. Là, j'ai un truc de marron complet. Alors que là, j'ai un bleu vif. Là, j'ai un violet qui est vif. Vous voyez la différence? Voilà. Donc, on peut, d'une couleur vive, aller vers une couleur terne. Mais de cette couleur terne, si je veux revenir vif, il me faudra énormément, énormément de couleurs plus éteintes que ce que c'était là. Donc, n'ayez pas peur de ça. Hop, voilà, je remets du violet. Ça peut être sympa. Pourquoi je mets là? Parce que la partie métallique, ça va être sympa aussi. Peu importe. Allez, un peu de vert, je rajoute. Je continue tant que c'est pas sec, je m'amuse. Ce n'est absolument pas obligatoire. C'est libérateur, en fait. C'est libérateur des conventions classiques de la peinture. Et qui nous rapproche un peu plus de la subtilité des couleurs qui peuvent transparaître en dessous de notre travail et qui feront la différence avec un travail classique de j'aurais pu juste faire de l'ocre et du marron et j'aurais jamais cette richesse là. Je vous invite à l'essayer, ça coûte rien. Si ça vous plaît pas, ben vous avez plus qu'à repeindre en marron et repasser un jus, enfin du jus, tout est rattrapable, c'est que de l'eau, donc c'est quelque chose qui va, je le mets de côté, c'est quelque chose qui va nous apporter cette profondeur et cette richesse qu'il y a dans le décor. Alors je sais pas si la photocopie on le verra, mais si vous avez l'occasion d'aller chercher des images sur internet, regardez bien, vous allez voir qu'il y a plein de petites couleurs autre que juste terre. Voilà, donc ça c'était une petite vidéo rapide, en bonus, en plus de tout ce que je rajoute. C'était vraiment pour peindre le décor, on partira sur cette base là, qui sera très colorée. Ouais, je vais rajouter de l'orange, j'ai envie. Tant que c'est en train de sécher, voilà, je peux m'amuser en fait. Voilà, je cherche des endroits, je rajoute des teintes, des couleurs. Ouais. À très bientôt pour la vraie mise en couleur de ce décor avec en transparence dessous tout cet arc-en-ciel de couleurs. À très très vite. Et bien, bonjour les amis, nous voici revenus pour le décor. On avait commencé le mois dernier à s'amuser un petit peu avec les couleurs. Donc comme vous voyez là, ça a séché et donc il n'y a plus toute cette eau qui gravitait un petit peu partout. Ça a aussi un petit peu sombré, enfin ça s'est assombri. Donc bon, de toute manière on va le retravailler.
Vous voyez bien que j'ai très très peu d'espace. Soit je peindrai comme ça pour que vous voyez le décor en entier, soit de temps en temps je prendrai comme ça pour pouvoir tourner et faire le reste, mais je vais pas, ouais, je peux pas bouger, je peux pas sortir. Donc je vais essayer de faire attention, de vérifier à chaque fois que je sorte pas. Ok. Donc, vous voyez, mon eau est toujours sale, c'est toujours la même. Je ne sais pas combien de semaines que je l'ai, ça doit faire bien faire 2 mois que je l'ai. C'est toujours la même. Un sopalin, j'en ai un deuxième de prêt au cas où, parce que comme je vais passer beaucoup de jus aussi, je risque d'avoir besoin d'un deuxième sopalin. Et avant de choisir les couleurs, on va regarder à nouveau le décor tel qu'il était, en référence sur les photos qu'on avait... que j'avais choisi. Donc là on voit bien qu'il y a un côté un peu beige, orangé, rougeâtre, avec des côtés violacés. On va se servir donc de ce qu'on a fait la dernière fois et on va essayer de le rendre un peu plus réel et moins fantastique que ce qu'on a fait la dernière fois. Donc j'ai sélectionné déjà une certaine 2, 4, 6, 8, j'ai sorti 8 couleurs pour l'instant. Et on va voir si on aura besoin que de cela ou si on a besoin d'autres couleurs. J'aime bien improviser au fur et à mesure. Et sur celle-ci, on voit le bois de l'outil, qu'on va essayer de réutiliser ces couleurs un peu orangeâtres. Et peut-être que cette fois-ci, je ne vais pas faire les parties métalliques, mais je vais commencer, sans utiliser de pigments métalliques, commencer à donner ces effets un peu sombres, marron, orangé aussi. Je vais commencer à travailler l'outil et la fois d'après, en bonus, je ferai une vidéo pour faire tout ce qui est métal. Toutes les parties métalliques, je le ferai sur une vidéo en particulier parce que ça demande à changer l'eau et à utiliser un autre godet pour pas que les pigments de la peinture, les pigments métalliques se mélangent à l'eau et aux autres couleurs, ainsi que des pinceaux autres pour pas que les pigments viennent se mettre sur le pinceau. Donc on fera ça en session extraordinaire, à une session future. Alors en termes de couleurs, ça va être relativement simple. Je vais favoriser les couleurs épaisses, c'est-à-dire en tube comme ça. Si vous n'avez pas, vous pouvez le faire facilement avec des pots classiques. Moi j'aime bien ce côté épais pour le décor. Ce n'est pas une obligation, absolument pas. Et comme je veux garder mon blanc habituel golden que j'utilise pour les figurines, du coup je vais utiliser ce blanc de chez Scale 75 pour économiser le blanc golden, pour éviter d'en acheter un deuxième plus tard lorsque j'en aurai plus. Donc pour le décor ça me va très bien. Ouais. Alors je vais mettre les couleurs comme la roue des couleurs en forme d'arc-en-ciel. Donc on va, après le blanc, on va commencer par le jaune. En jaune, je prends de l'ocre jaune, donc en place et lieu de celui-ci que j'utilise d'habitude, qui est liquide. Celui-ci, il est épais. Donc autant profiter de... Si vous avez, faites-le. Si vous n'avez pas, ben, c'est pas bien dramatique. Vous pouvez utiliser les normaux. Ensuite, je vous ai dit sur le décor, on voit que c'est un peu orangé, donc je me suis dit, mettons un orange. Donc on passe du jaune à l'orangé, qui va vers le rouge en fait, vers les primaires jaune, rouge, bleu. Donc logiquement, dans ma disposition des couleurs, je mets comme un arc-en-ciel. Donc je mets l'orange avant le rouge. Donc la couleur suivante, c'est du rouge. Du rouge primaire, du rouge, j'aurais pu utiliser celui-ci ou n'importe quel autre rouge de chez Prince Auguste, pas de problème là-dessus. Puisque de toute manière, ça va être, les couleurs vont être mélangées, donc le côté pur, je n'utiliserai pas les couleurs pures, donc elles seront tout le temps mélangées, donc c'est peu importe le type de rouge que l'on choisit. Ensuite, pour continuer avec le rouge marron, qui est rougeâtre aussi, donc ce fameux marron que j'utilise souvent pour la peau. Euh,
Ensuite, on va passer vers le bleu. Alors, je vais intégrer du magenta. Alors, j'en ai pas un tube. Donc, tant pis, je le mets comme ça. Ça, c'est avant d'intégrer le bleu. Je me dis que je peux en avoir besoin. Ensuite, un bleu, ben, on va utiliser le bleu, un bleu primaire. J'ai pas besoin d'un bleu foncé. Le décor est déjà assez foncé comme ça, donc on va travailler surtout en termes d'éclaircie. Après, si je dois faire des jus ombrés, on a ce marron et mélangé à d'autres couleurs, et le vert que je vais sortir, on va pouvoir faire des couleurs sombres. J'ai envie d'essayer le turquoise bleu, je ne sais pas, pour contrebalancer avec l'orange en termes de couleur primaire. Pardon, en termes de couleurs complémentaires, ça vaut le coup d'avoir l'orange avec le bleu qui sont assez complémentaires. Donc on a deux bleus et je trouve que le bleu turquoise est très intéressant. Il peut apporter de la variation. Et je vais terminer avec un vert. Voilà. Donc pas de noir. Donc je récapitule, on a le blanc, on a le jaune, orange, rouge, rouge sombre, violet, le violet qui est un mélange normalement du bleu et du rouge. Donc on est dans la continuité, puis après on passe au bleu qui commence à être verdâtre, et le vert. Et le vert revient vers le jaune, donc on a la roue des couleurs. Et à partir de là, on va tout simplement commencer à travailler le décor. Alors je risque de faire d'abord le sol. Ensuite m'occuper de la caisse et de la pelle. Dans un premier temps, peut-être que je vais travailler un petit peu tout en même temps, comme j'ai mon habitude à faire. Je fais comme ça d'habitude. Donc je vais peut-être travailler comme ça et puis on verra au fur et à mesure. Alors je vais baisser un peu le siège pour pas taper sur la caméra. J'humidifie le pinceau comme d'habitude. Et je regarde mon décor. Et on va essayer de faire un sol un peu rouge-orangé. Donc on va prendre celui-ci, ça. Je teste, je cherche. Je ne sais pas du tout ce que je fais, mais j'essaie de trouver une base un peu orangée justement. Vous voyez, je ne mélange pas tout lorsque je rajoute du jaune. Pour garder un autre espace. Bon, ça peut être intéressant. De toute manière, il y aura tellement d'autres couleurs qu'on va avoir besoin des deux mélanges qui est là, et on va passer par plein d'autres couleurs. Donc je nettoie mon pinceau, pas besoin de bien le nettoyer même s'il reste la couleur, puisque c'est la couleur qu'on va utiliser. On va diluer un petit peu. Et voyons voir. On va le laisser comme ça d'abord. J'essaie de ne pas tout recouvrir. C'est les premiers passages, donc ils sont succincts et rapides. Pour garder ce côté aléatoire que la nature nous offre en fait, puisqu'on n'a pas besoin de tout recouvrir entièrement, puisqu'on avait déjà fait un travail avec lequel on s'était amusé la dernière fois avec plein de couleurs, donc j'ai pas besoin de recouvrir complètement. Je laisse transparaître par endroit la sous-couche colorée que j'ai faite la dernière fois. Alors il y a de la peinture, mais pas tant que ça, donc c'est une sorte de tapotage un petit peu. Comme c'est dilué, ça fait pas un brossage à sec, pas du tout. Par endroit ça couvre plus, par endroit ça couvre moins. Ça dépend combien j'en ai pris avec le pinceau.
Et c'est franchement, à cette étape-là, ce n'est pas important. Même si je touche un peu la pelle, c'est pas grave. Ouais. On reste dans l'esprit de la mise en couleur de la dernière fois. Alors, il y a des endroits où ça tape mieux, il y a des endroits où ça tape moins. Et surtout, on voit, lorsque c'est mouillé, là encore, frais, c'est très coloré. Et puis, dès que ça sèche, hop, ça se fond dans le décor. Voilà, je m'amuse tranquillement, je dilue un peu plus parce que ça a séché un petit peu. En fait, ça c'est un ressenti, hein, vu que là j'avais dilué, là j'avais pas dilué. Il y a un ressenti que c'était pas assez dilué, donc j'ai dilué plus. Et puis à un moment donné, il faudra mettre un peu plus d'ocre pour retrouver cette couleur plus claire en termes de valeur tonale que celle-ci. Donc voilà, maintenant je n'en ai plus, donc je vais récupérer un peu d'ocre et je viens mélanger avec celle-ci pour retrouver voilà, le même mélange que plus ou moins de tout à l'heure. Et je dilue. Alors pourquoi j'ai fait ça alors que tout à l'heure je vous ai dit que je voulais garder cette couleur sombre? En fait, je n'aurais pas l'utilité parce que lorsque je la vois ici, elle est déjà assez sombre, donc j'ai pas besoin de couleur plus sombre pour l'instant. J'applique la couleur et je m'abuse. Je prends les cailloux avec. On les travaillera peut-être individuellement chacun plus tard pour les différencier légèrement. Mais il faut qu'il reste dans l'esprit que le décor est un ensemble en fait. Je ne vous conseille pas de peindre le sol d'une couleur, les pierres d'une autre couleur. Commencez en montant avec la même couleur et ensuite on pourra les différencier à un moment donné lorsqu'on arrivera dans les lumières. Pour l'instant, tranquille, c'est que le début. En plus, ça nous remet en confiance et redécouvrir un petit peu. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'était le mois dernier quand j'ai fait le décor. Donc, il y a un mois qui est passé. Et là, je me remémore un petit peu la structure du décor. Les cailloux, la caisse. Je dilue encore un peu plus. Je vais en mettre aussi par endroit sur la caisse pour qu'il y ait un rappel, surtout vers les bords, comme ça là où se rejoignent la caisse et le décor, mais en fait ils sont liés. Voilà. Et lorsque je peindrai le décor, je peindrai peut-être plus dilué afin que ce que je viens de faire transparaisse en dessous. Ok, donc vous voyez, par endroit c'est pas régulier, c'est très très bien comme ça. Je vais rajouter un peu d'ocre et je vais peut-être voir ce que ça fait si je mets une pointe de bleu pour casser le côté trop orangé. Voilà, ça le casse un peu, et un peu de blanc. Voilà. Et à partir de là, je vais recommencer. Alors peut-être en diluant un peu moins, on va reprendre ici. Comme je fais sur la pelle, je balance un petit peu de couleur là aussi. Ce qui est bien avec cette technique, c'est qu'on n'est pas dans le détail d'entrée, quoi. On n'est pas précis. Il y en a qui aiment bien travailler précisément d'entrée. Je n'ai pas de recette à vous imposer. La seule chose que je peux vous dire, c'est trouver ce qui vous convient le mieux.
Et j'ai remarqué que beaucoup d'artistes, au départ, lorsqu'ils découvrent la figurine, ils peignent, moi y compris, tous quasiment, ben tous, on essaye de peindre, de gagner en précision. Et donc, d'entrée, on va peindre que la caisse, on va peindre que la dynamite, on va peindre que le manche, etc. On va peindre le socle, après on va peindre les cailloux, on va tout séparer et tout faire en détail. Et au fur et à mesure qu'on avance dans notre apprentissage peinture, on se rend compte que tout est lié. Et donc on cherche un moyen de tout lier. Alors il y en a qui mettent une couleur, qui choisissent une couleur, peu importe la couleur que c'est, un gris, un bleu, un turquoise, et ils le mettent en petite dose dans tout leur mélange. J'ai eu fait ça aussi. Puis après on évolue et puis on se rend compte que en travaillant tout en même temps, on garde une homogénéité. Alors il y a encore des très très bons peintres de haut niveau qui ne font pas ça, mais la majorité des peintres font ça, de tout travailler en même temps, parce que justement on cherche ce côté créatif et de tout lier. Voilà qui est intéressant. Allez, on continue à monter. Alors, je vais peut-être pas rajouter du turquoise comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais attendre et je vais monter juste avec le blanc et le jaune. Et une fois que j'aurai des lumières assez prononcées, je vais peut-être balancer un petit jus très dilué d'un filtre de turquoise pur. Ça risque de rendre d'avoir un meilleur effet que celui que je suis en train d'imaginer en mélangeant l'ocre, le turquoise avec. Pourquoi ? Parce que lorsque je vais mélanger le turquoise ici, ça va griser ma teinte, ça va la neutraliser. Alors que si je mets un filtre bleu pur comme ça sur quelque chose qui est orangé, ça va le neutraliser aussi, mais d'une façon plus profonde et plus. Ça va être beaucoup plus coloré. Vous voyez ce que je fais sur la pelle, c'est vraiment aléatoire pour l'instant. Je fais pas de détails, je suis pas précis, donc et puis finalement ça donne quelque chose d'intéressant, donc on verra. Et même si c'est pas sec par endroit comme ici, ben ça se mélange, du coup ça fait un dégradé qui est un peu différent d'à côté. C'est plaisant, c'est agréable, ça détend en fait. Ça détend par rapport à lorsque l'on travaille une figurine qui est le point focal principal et qui demande une attention plus soutenue. Là, pour l'instant, bien sûr qu'on ira vers le détail et quelque chose de plus précis, mais pour l'instant, on se détend tranquille. L'idée, ça serait de faire pareil sur une figurine, c'est-à-dire l'attaquer dans son ensemble. Comme ça, en montant les couleurs, les lumières. Je sais qu'il y en a qui le font. Ça m'est arrivé de le faire et c'est vrai que c'est plaisant aussi. Un peu moins avec une figurine du type napoléonien parce que c'est très rigide et très droit. Mais plus pour quelque chose de fantastique ou ce genre de figurine, justement, on aurait pu le faire. On le fera sur une prochaine figurine. Là où ça peut être intéressant, c'est justement sur les figurines d'Indiens avec tous leurs habits en peau, en daim et tout ça. Il y a
plein de couleurs à pouvoir mettre. Ce sera pourquoi pas une idée d'aborder une figurine différemment. Pour voir tout ce qui est harmonieux en fait. En fait là ce que je fais c'est que en faisant aléatoirement ce que je fais là, je donne déjà de la texture, les veines du bois, etc. Je les mélange avec plein de couleurs. On peut le faire aussi là-dessus. Je vais commencer à regarder la caisse. Alors, n'oublions pas que notre figurine est bleue, majoritairement bleue, si vous vous rappelez. Vous voyez. Donc, l'idée, ça serait de conserver une généralité orangée sur le socle pour que la figurine ressorte avec cette partie toute bleue, gris-bleu, bleutée. Qui est complémentaire, donc on va essayer de garder quelque chose d'orangé. Donc la caisse, ça serait intéressant de la faire un peu plus rougeâtre, peut-être marron rouge. Donc je reprends du marron et du rouge tout simplement, et pourquoi pas un peu de violet. Tiens, voilà. Peut-être j'ai pris un peu trop de violet là, maintenant j'ai pris trop de rouge, je corrige et je mets une pointe de vert. Pourquoi? Parce que rouge et vert sont complémentaires et le vert vient descendre l'intensité du rouge qui est trop présent. Voilà, grâce à la couleur complémentaire, on vient neutraliser un petit peu l'intensité de la couleur. Alors je vais essayer ici, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. De toute manière, on sait très bien qu'on peut rattraper, etc. Et je viens faire quelques... Je vais diluer un peu plus et je vais essayer de pas tout dessiner, de faire que quelques, voilà, de faire à peu près 80-90% de chaque latte de bois pour qu'il y ait cette teinte un peu rougeâtre. Alors si je touche sans faire exprès un rocher, c'est pas grave. Justement, dans l'esprit que l'on veut, c'est au contraire pas un problème. Je vais prendre ça parce que j'ai un petit truc de décor qui s'était collé là. Voilà, je l'enlève. Ok. Alors on lui donne une teinte. Une généralité un peu rougeâtre comme ça. Sans forcément. Peindre, comme je disais, pour que ça transparaisse au travers le travail que je viens de faire précédemment. C'est délicat de ne pas sortir du du cadre. J'espère que vous voyez là l'avantage d'avoir fait un travail préparatoire et comme lors de cette séance aussi j'ai commencé à rajouter plein de couleurs, c'est à dire que j'ai pas besoin de tout recouvrir, ça donne déjà des effets. Là, dans le creux, on passera un filtre jus pour aller dans le creux des veines, etc. On le fera avec quelque chose d'assez dilué, comme ça transparaîtront au travers les autres couleurs qui sont restées apparentes. Et après, on éclaircira tout ça. En espérant que ça va donner un effet riche et naturel.
Alors, je ne peux pas vous dire exactement la recette de ce rouge que j'ai faite, mais il y avait du marron, du violet, du rouge et du vert. À quel degré, je ne sais pas, j'ai fait ça vite. Et c'est un peu ce que la direction que je voudrais vous montrer, vous orienter vers cette direction-là, c'est-à-dire avoir plutôt du ressenti en termes de... Je savais que je voulais faire quelque chose de rouge-marron, donc j'ai pris les couleurs que j'avais là et je me suis fait mon propre rouge-marron qui, à vue d'œil, je pourrais le refaire à peu près, mais je ne peux pas vous dire exactement qu'est-ce qu'il y a, le degré, le nombre de rouge, de marron, etc. exact qu'il y a. Ce qui fait que ça rend cette teinte unique, que je n'ai pas envie de reproduire une deuxième fois, parce que la prochaine fois que je la referai, elle aura un degré de couleur différent en fonction de la quantité de chaque couleur que je mettrai. Et elle sera propre à l'instant précis où je peindrai quelque chose. Elle aura ça. Voilà, c'est un mélange qui est... C'est un mélange qui est complètement unique pour cette caisse d'outils. Voilà. Je le vois comme ça. Je me dis que c'est pas important de. C'est absolument pas important de retenir le mélange exact. Parce que lorsqu'on a fait et compris la roue des couleurs, lorsqu'on a fait son propre nuancier, etc., on comprend mieux le rapport qu'ont et comment se comportent les couleurs les unes avec les autres. Donc c'est plutôt vers ça qu'il faudrait s'orienter à comprendre pourquoi on va chercher telle couleur, etc. et qu'est-ce qu'on cherche dans ce mélange-là. Et une fois qu'on fait ça, en fait, on n'a plus besoin de recettes. On se les invente et réinvente à chaque fois. De temps en temps, il y a des habitudes, comme là, depuis quelques temps. J'aime bien mon mélange de base sombre pour le visage. Et je l'utilise pour l'instant souvent, parce que c'est quelque chose qui me plaît, mais sans forcément mettre exactement le même dosage. Et puis un jour, je me lasserai, et puis je ferai autre chose. Ok. Maintenant que le décor a séché, je vous avais parlé de voir ce que ça pourrait faire de mettre un jus de turquoise. Alors ça va être très 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 dilué. Alors l'avantage qu'il y a, c'est que non seulement c'est une couleur pure, mais en plus l'eau est sale, donc ça le teinte un petit peu, donc c'est très très bien. Bon, ça paraît très bleu. Mais faut pas s'inquiéter, parce que lorsque ça va sécher, ça va s'atténuer. Alors je ne mets pas partout. J'essaie de le mettre à des endroits stratégiques, c'est-à-dire justement à côté de la caisse, puisque la caisse va être rouge et ça va apporter même carrément sur la caisse. Ouais, on va carrément aussi le mettre dans les creux de la caisse, ça va être intéressant. Alors je mets beaucoup, j'en mets beaucoup. Ça va sécher, c'est pas un problème. Tiens, en parlant de sécher, vous savez que vous pouvez utiliser un sèche-cheveux. Alors j'ai longtemps utilisé un sèche-cheveux, et ces derniers temps je ne l'utilise plus, parce que j'aime bien continuer à peindre lorsque c'est encore pas sec. Je trouve que ça apporte un truc en plus. Bon, après ça c'est une étape suivante dans le processus de peinture. Avant je séchais avec le sèche-cheveux pour pouvoir continuer à peindre, et là j'utilise justement le fait que ce soit, enfin, pour moi c'est un avantage. Maintenant je l'utilise comme un avantage. On va mettre un peu sur l'outil aussi. Hop. Ça n'a pas grande conséquence parce que c'est très très dilué. Allez, on va continuer à monter
l'ocre blanc. Et vous voyez, c'est pas sec. Donc, c'est là où c'est intéressant. Ça va venir se fondre par endroits. Alors, il y a des endroits où ça sera sec, puisque j'ai pas passé partout. Et il y aura des endroits où c'est pas sec, justement. Et ça va donner des variations. La différence entre là et là. Alors du coup, ça fait des endroits plus orangés, des endroits plus grisonnants, verdâtres, qui vont très très bien. Alors c'est pas tout à fait ressemblant à la photo référence, mais c'est pas bien grave. On n'est pas là pour reproduire exactement la référence. La référence est là pour nous aider à nous orienter. Et sachez que lorsque vous mettrez votre figurine en exposition, en photo, en concours, ou peu importe, vous ne mettrez pas la photo référence avec laquelle vous êtes aidé. Donc il n'y a pas de souci, les gens ne verront que votre figurine. Donc ils ne pourront pas dire « Ah, c'est pas tout à fait le même orange ou beige que sur la photo. » C'est difficile ça aussi d'arriver à accepter de faire différemment de ce qu'il y a sur la photo, de se servir de la photo juste pour référence en fait. Alors là je refais un tour avec la peinture d'ici qui est moins diluée que celle que j'avais mise ici pour revenir appuyer certains endroits. Et comme je disais à ceux qui suivent à Lulle, je touche à peine la figurine, j'effleure à peine, la peinture se dépose de toute manière, ce n'est pas un souci. Du coup ça fait plein de petits traits sympathiques là, en touchant à peine. Je vous donne l'impression d'aller vite parce que j'ai l'habitude, mais je me rappelle au début, quand je faisais cette technique-là, en fait, je vais essayer d'aller à la vitesse dans laquelle j'allais. Je faisais ça, je faisais ça. Je prenais le temps de voir ce que ça faisait. Oui, hop, je faisais comme ça. Et puis, alors, au fur et à mesure, on prend l'habitude d'effleurer à peine. Et du coup, on va de plus en plus vite. Donc vous inquiétez pas, allez à la vitesse qui vous convient, prenez le temps de regarder ce que ça fait, et à force, ça va se faire tout seul. J'espère que vous voyez sur le décor qu'on voit des parties orangées, des parties plus jaunes, plus verdâtres.
j'espère que vous le voyez en vidéo. Okay. On va laisser sécher un petit peu. Sinon, lorsque c'est trop tout le temps humide comme ça et que je viens rajouter de la couleur, à force de mélanger, ça fait un gris difforme et pas joli. Donc je laisse sécher un peu, je vais m'occuper de la caisse qui elle est sèche par endroit et par endroit non pas sèche, ce qui va permettre pareil de fondre la couleur par endroit et d'avoir par endroit des non fondus en fait. Donc là j'éclaircis au blanc et je vois que la couleur est pas top, ça fait un rose pas top, donc je le mélange un peu avec ma couleur terre là et je vois qu'il me faut de vert. Ça fait un gris pas joli. Un peu plus d'orange, voilà. Ouais. Un peu plus d'orange. Ouais. Alors je suis toujours avec le pinceau numéro 3. Ouais, voir si je peux commencer à faire quelques rainures. Je ne suis absolument pas du tout les rainures sculptées. Je vais tellement vite que je me refais mes propres rainures en fait. Puisqu'il y aura d'autres éclaircies, etc. Donc ça n'a pas d'importance, ça sera des rainures qu'on verra par en dessous. Et ça peut être sympathique. Bon là c'est pas sec donc ça se fond. Et ça me va très bien aussi. Ne pas être précis, c'est ça qui rend le décor et le reste plus réaliste. On a le temps pour la précision, on a le temps avec les dernières lumières, etc. Même si mes rainures prennent deux ou trois rainures dans la latte, c'est absolument pas grave. C'est que le début. Un peu comme j'avais fait avec le banc sur la petite fille sur le banc. C'est la même chose. Sauf que j'avais fait avec du blanc, il me semble. Bon, peut-être qu'on prendra du blanc et qu'on passera des jus, je ne sais pas. Disons que le banc le permettait parce qu'il était lisse et droit, tandis que là, il y a plein de choses qui nous empêchent de passer après un joli filtre coloré, linéaire et homogène comme j'ai pu faire. Donc là, la technique est différente. Donc ça me fait penser à... Il n'y a aucune technique qui est parfaite. Il faut avoir plusieurs techniques et les adapter en fonction de comment est la surface que l'on peint, parce que si vous regardez bien là on a exactement les mêmes à peu près hein, à quasiment les mêmes lattes que sur la petite fille avec le banc, sauf que je le travaille de façon différente.
parce que j'ai pas la place et la facilité de faire que j'avais avec les lattes du bain de la petite fille. Là, j'ai moins d'espace, moins de trucs, donc je vais pas pouvoir exactement travailler de la même façon. Et c'est pas plus grave, c'est pas plus mal. C'est une sorte d'adaptation constante en fait. Constamment s'adapter à l'humeur du moment, à la surface que l'on peint, à ce que l'on peint. Et à l'évolution avec laquelle, dans laquelle on est à l'instant T. C'est-à-dire que si j'avais fait une vidéo il y a 6, 8 ou 10 ans ou 15 ans sur ce même sujet, je l'aurais certainement pas peint pareil. Avec la même. Pas du tout avec la même attitude et expérience. On va dire que c'est un premier tour où je commence à définir un petit peu les lattes. Bon, je sais les lattes sont dans ce sens-là, mais je le fais dans ce sens-là parce que c'est pas encore les lumières ultimes, donc c'est pas important. Je parlais pour ces lattes d'en haut là. Normalement, j'aurais dû faire ça. Mais comme je sais que c'est pas les dernières touches, donc c'est pas dramatique. On va faire la même chose sur le bois de la pelle, sauf que je vais reprendre la couleur que j'avais utilisée pour la caisse, mais j'y rajoute plus d'orange parce qu'on avait dit qu'on partirait vers la couleur orangée un peu plus. Donc c'est le même mélange avec juste un peu plus d'orange et du coup ça les différencie les deux. Et je recouvre pas tout. Je commence à faire des rainures et comme ça transparaît entre les petites couleurs que j'avais installées dans la séance précédente et début de cette séance là. Il y a un peu de bleu, de violet, etc. Je viens l'éclaircir au blanc pour voir ce que ça donne. Ouais, ça me va. Ça se rapproche hein, du coup. J'ai pas fait. J'ai pas fait le haut là. Alors je fais quelques rainures, mais vu qu'il y a très très peu de différence, on les voit presque pas. Mais c'est parfait comme ça. C'est un début de succession de rainures qui vont se superposer les unes aux autres au fur et à mesure être éclaircies et ça va donner de la profondeur. Toujours avec mon pinceau numéro 3. J'ai mis un peu de jaune, du blanc. Alors vous inquiétez pas si ça n'avait pas tout à fait la couleur orangée que l'on voulait. Rien ne m'empêchera de mettre un filtre après.
toujours avec le pinceau numéro 3. Je viens accentuer mes rainures. Alors, je ne les fais pas forcément exactement là où je les ai faites. Je fais par-dessus comme si c'était des nouvelles rainures. En parallèle, je vais commencer aussi à... Ah, il me semble que ça c'est en bois. Bon, je vais retravailler ça. Ce qui peut être intéressant, c'est de, en parallèle, de faire une couleur sombre, relativement diluée, avec peut-être un peu plus de marron, pour changer la valeur tonale de tout ce qui va être métallique en fait, de la pelle. Alors, pas forcément tout colorer uniformément, mais voilà, commencer à lui apporter une valeur plus sombre. Pour ceux qui ont suivi les valeurs tonales, ça va permettre une meilleure lecture du bois que je suis en train de faire et voir ce que ça donne. Le but, c'est de changer la valeur tonale tout en gardant un petit peu la texture et le travail qu'on a fait précédemment. Là c'est trop petit donc ça va être un peu difficile, mais bon. Vous voyez comme le plat du pinceau prend la totalité de la surface à peindre. J'essaie de me rappeler que le bois de base c'était ça plus du orange. Donc voilà, je l'ai là. Je viens d'imaginer que ça serait sympa d'utiliser cette couleur verdâtre très diluée pour aller, alors pas sur l'ensemble du coffre, mais surtout vers le bas. Comme ça, ça rentre aussi dans les creux de certains endroits et ça ombre certains endroits qui sont restés clairs. Donc vers le bas. Okay.
vous inquiétez pas pour les auréoles que ça puisse faire ici là. Vu que j'ai pas fini de faire les éclaircies, donc ils se verront plus. Donc ça, on s'inquiète pas. Donc là, on est bon. Peut-être rajouter par endroit un peu de ce verdâtre autour de la caisse aussi pour unifier. L'ensemble. On va reprendre le décor. On en était là, donc on rajoute de l'ocre et du blanc. Que je vais peut-être pas diluer pour pouvoir voir ce que ça fait. Ouais, ça va. S'il faut diluer légèrement, ben on dilue légèrement. Il faut une sensation dans laquelle la peinture vient se poser, mais sans forcément se fondre comme elle fait là. Là, si elle fait, c'est parce que j'ai mis du jus verdâtre tout à l'heure. Là. Mais voilà, ici c'est sec, donc ça va passer. Ce qui serait bon, c'est en cours de chemin comme ça, de poser la figurine à côté et de voir ce que ça fait, tous ces contrastes rouge, bleu, ocre. Ça va pouvoir donner quelque chose de sympa. Allez, on est sur la bonne voie. Parce que là, si on regarde que le décor, il peut manquer quelque chose de bleu, de venir équilibrer ce trop d'orangé. Mais le fait que la figurine est déjà bleue, c'est la figurine qui va venir équilibrer l'ensemble. Même si j'ai déjà mis un peu de turquoise et que j'en remettrai certainement, mais on n'a pas besoin d'accentuer trop. Parce que justement, il y a la figurine qui fait déjà ce travail-là. Peut-être passer au pinceau suivant. Je vais changer mon eau, enfin mon tissu. Je vais prendre le pinceau numéro 2 que je mouille d'abord et on va s'occuper des rainures de la caisse.
c'est vraiment très aléatoire. Je ne suis absolument pas ce qu'a fait le sculpteur. Pardonne-moi, Charles, qui est le sculpteur. Je ne le fais pas avec toi, je ne le fais pas avec les autres. Parce qu'en fait, c'est pas que je ne suis pas le... Je me sers du fait que le sculpteur a fait des rainures. Moi, j'en fais d'autres par-dessus, donc il y a les siennes, il y a les miennes. Et tout ça, les unes sur les autres, donne plus de réalisme et de fouillis, en fait. Qui est très intéressant, en fait, au contraire. Si vous faites exactement chaque rainure qui a été sculptée et que chaque fois vous éclaircissez exactement la même rainure, vous allez avoir quelque chose de pas joli, de trop marqué et de pas très réel en fait. Alors je finis pas le bois là, parce qu'après je le retourne et je le finis de l'autre côté. Sinon je vais cogner chaque fois ce bois là et mettre des coups de peinture qui vont être disgracieux et trop épais. Comme j'ai fait là une petite goutte là. Alors en termes de couleur, le bois de la caisse et du manche de la pelle sont à peu près pareils pour l'instant. On sait qu'on peut gérer ça avec des filtres après, donc c'est pas un problème. Là, j'ai trop dilué et du coup ça fait des gros traits. Alors du coup je viens équilibrer ce qui est à côté pour que ça fasse un dégradé plus que ça passe en fait. Mais comme je sais que je vais continuer à éclaircir, c'est pas un problème.
Bon, c'est un travail assez répétitif, hein, comme vous voyez. Mais qui est zen, qui détend. Et on va essayer d'éclaircir un peu plus. Commencer à mettre des rainures plus marquées. Toujours avec mon pinceau numéro 2. Si vous n'êtes pas à l'aise et que vous le sentez pas, faites-le. Avec un pinceau numéro 1, c'est pas un problème. Moi, c'est le fait que la pointe elle soit fine, donc ça passe très très bien. Et là, on va commencer à être un peu plus précis. Là, je m'occupe pas trop de la couleur, je mets plus du blanc parce que après je mettrai certainement un filtre pour recolorer l'ensemble d'une couleur rouge marron. Ce qui donne en fait le privilège de pouvoir s'occuper seulement de la texture des veines. Sans se soucier de la bonne couleur ou pas, ou quoi que ce soit. Je mets la lumière en fait, et puis après, on passera un filtre. Je m'attarde sur les lattes de la caisse parce qu'elle fait partie
pour la box art, elle fait partie de la figurine. Et c'est un élément du décor qui est assez important. Donc, j'essaye de travailler avec précision à un moment donné. Parce que c'est un élément qu'on va forcément regarder aussi. Et il peut être sympa de lui apporter quelques précisions. Pas autant que sur la figurine, mais... Et observer comment je... De la façon dont je pose les lumières, en fait, grâce aux rainures, je pose les lumières qui vont venir ici, quoi, pour donner de la profondeur, en fait. Ouais. Bon, on n'est pas encore aux lumières ultimes, mais on commence déjà à se projeter dans les lumières qui vont être plutôt de ce côté-là que de ce côté-là. De temps en temps, il faut refaire le mélange avec rediluer pour retrouver la texture et la sensation du début. Car au fur et à mesure, la peine. Et on perd un peu la texture qu'on avait au départ.
Alors il y a du vent aujourd'hui un petit peu et j'ai mon Velux là haut qui est les contreplaqués qui le vent passe entre les tuiles et du coup ça fait ce bruit. Et sur mon Velux je crois que j'ai des pigeons qui gambadent, donc on les entend marcher. Voilà, on n'est pas seul. Alors il y en a qui m'ont demandé si j'écoutais la musique pendant que je peignais. Alors normalement oui, mais lorsque je fais des enregistrements, il n'y a pas de musique. Je mets la musique après, lorsque je fais le montage vidéo, parce qu'il me faut faire le montage de la palette et de ceci sur le côté, et la vidéo principale au milieu. Et ensuite, je rajoute par-dessus de la musique. Ça me permet d'équilibrer la musique en fond qui couvre pas la voix, en fait. Parce qu'il y a des moments où je me suis rendu compte que je parlais pas fort. Je suis tellement concentré à ce que je fais, je parle doucement. Il y a des fois où je parle beaucoup plus fort. Et voilà. Donc j'ai. Donc voilà, je mets pas de musique là sur les vidéos que vous voyez. Mais d'habitude, oui. Bon. On va éclaircir une dernière fois avec quasi du blanc pur pour accentuer certains axes et arêtes de lumière. C'est quasiment au blanc pur.
la caisse, ça devrait aller là. On va s'occuper de... On passera un filtre après. On va laisser sécher un peu. On va s'occuper de... du manche à bois là. Du... Le manche en bois du... de la pelle. Du blanc. Bon, je vous avoue que c'est un peu trop éclairci là. Mais c'est pas grave puisque j'avais prévu de passer un filtre après, donc c'est pas bien grave. Mais l'idéal ça aurait été de monter un peu moins les éclaircies, de faire plusieurs autres étapes. Avoir un dégradé plus fluide. Là il est un peu trop, il en voit trop là d'un coup. Mais c'est rattrapable, c'est pas un problème. Je reprends mon mélange. Pour accentuer la valeur tonale des parties métalliques sans forcément tout peindre. On va reprendre le numéro 3, ou alors on va prendre carrément un vieux pinceau comme ça, que j'utilise rarement, et on va faire une sorte de dry brush sur le décor. Je touche un peu la caisse, c'est pas grave. Même la pelle, ça peut être sympa. Parce que majoritairement la pelle elle reste quand même sombre, donc elle est dans sa bonne valeur tonale, même s'il y a ces petits effets qui resteront pas forcément une fois qu'on peindra en métal, mais ça sera en dessous et ça transparaîtra par endroit. Il faut toujours se dire ça en fait. Il y a une richesse qu'on peut pas obtenir si on fait pas ce genre de truc.
Alors, je ne sais pas si on voit en vidéo, mais l'éclaircie est uniforme, mais il y a plein de variations rougeâtres, marron, bleuté, orangé, etc. J'espère que ça se voit. Voilà, c'est le résultat du travail qu'on a fait précédemment. Donc, moi, je kiffe. Ouais, je vais prendre l'orange pur. Alors, le numéro 3, pinceau numéro 3. Je vais diluer. Et peut-être... Alors, normalement, l'eau est sale, donc elle m'a un peu atténué l'orange, mais je trouve qu'il n'est pas assez atténué, donc je prends un peu de bleu. Voilà, je mélange avec ce bleu. Je viens teinter mon bois avec cet orange là. Il faudra plusieurs filtres, mais je vais laisser sécher en attendant. Voilà. N'ayez pas peur, ça fera pas forcément de comment on appelle ça, d'auréole, il n'y a pas de souci. Je vais m'amuser avec le bleu là, tant que j'y suis. Mélanger avec ce sombre. Ouais. Voir ce que ça fait si j'en mets un peu. Ouais. Sur les parties métalliques. Parce qu'elles viennent. Elles viennent juste à côté du orange. Ça devrait donner quelque chose de sympa. Et cette même teinte, encore plus diluée pour qu'on la remarque à peine. Je viens la repositionner un petit peu par-ci par-là et même sur le par endroit comme ça pour qu'il y ait un petit rappel de bleu, pas trop, c'est pas la peine parce qu'on avait dit que la figurine viendrait équilibrer tout ça, mais par endroit là au niveau de la caisse et tout, ça peut être sympa. Tout à l'heure, on fera des jus sur la caisse aussi. On va s'occuper de la dynamite. Alors, je ne sais pas quelle couleur ça a, une dynamite. Un peu rouge foncé, il me semble. Donc, je mélange ces trois-là. On va voir ce que ça donne. Et on va colorier la dynamite déjà, dans un premier temps. C'est pas non plus l'élément essentiel, donc... juste montrer qu'il y a la dynamite et ça devrait aller. On va faire les cordes et la mèche. On va prendre de l'ocre, on va l'assombrir un petit peu. Et on va s'occuper, ça va être notre couleur de base qu'on va éclaircir au fur et à mesure. Vous voyez, j'ai pas besoin de vraiment couvrir complètement la mèche. Parce qu'il y avait déjà des jus, des couleurs, comme là, la corde. On a pas besoin de tout peindre parfaitement. C'est parfait parce que dessous, ça se mélange avec les couleurs qu'on avait déjà mises par-ci, par-là. Et en plus, c'est pas sec, donc ça se mélange. Et après, quand on va éclaircir, on va s'occuper que des lumières. On vient éclaircir.
Alors je dilue pas parce que c'est pas sec, donc ça va venir se fondre avec la couche de dessous de façon un peu aléatoire. Éclaircir un peu plus. Je vais peut-être prendre le pinceau numéro 1 pour vraiment poser très peu de peinture. Alors je vais le diluer, je vais le nettoyer, voilà. Et je prends un peu de peinture et je viens poser les lumières. Largement. On va faire pareil pour les cordes. Avec le même éclairci, hein, je repasse par-dessus, ce qui va m'éclaircir en fait et raviver un peu mes éclaircies. On l'avait vu ça sur d'autres vidéos. Lorsqu'on pose une deuxième fois le même éclairci, ça, c'est plus lumineux en fait. Un deuxième jus orangé. Sur la manche. Ce qui permet d'intégrer les veines plus subtilement. On va diluer l'orange avec ce rouge pour donner une nouvelle teinte. Alors ça, c'était le rouge de la dynamite. Et on va filtrer les lumières. Tout en évitant de toucher les cordes. Ça serait mieux.
Alors c'est pour le premier passage, c'est pas évident. Hein. Ça donne un peu de couleur, mais c'est un peu comme, comme le manche de la pelle. Le deuxième passage va donner plus de d'intensité à la couleur, tout en gardant effectivement les lumières qu'on a posées quasi blanches, pures. Je vais m'amuser pour éclaircir juste certains les cailloux en fait, avec le même éclairci que j'avais utilisé pour le socle, mais en mettant plus de peinture, ce qui fait que les cailloux vont ressortir un petit peu, tout en restant dans la même continuité et teinte du reste du décor. Pas obligé de peindre le caillou en entier, juste là où il y a les lumières en fait, pour le mettre en valeur. Pas besoin d'être précis non plus. Allez, même si c'est pas sec, on va mettre un énième. Oula, j'ai failli faire une bêtise. J'allais dire une énième couleur orange sur le bois, mais ça c'est pas la couleur du bois, c'est la couleur de la caisse. Donc le manche il est là. On va faire pareil avec la caisse. J'ai touché ce caillou, donc je vais le remettre du blanc.
récupérer la dynamite. Juste un peu de blanc comme ça, ça devrait aller. Bon, là, à ce stade-là, je vais remettre mes lunettes pour regarder. À ce stade-là, il y a le manche que j'aime bien. Bon, le décor est en place. Bon, la caisse, j'aime pas trop sa couleur pour l'instant parce que ça brille, vu que c'est encore, c'est pas sec. Donc, on va le laisser comme ça. Et je viendrai rajouter des jus une fois que la figurine sera avec tout ça. Je pense que je la mettrai plus marron, orangé, la caisse. On la travaillera lorsque je colorerai la figurine sur son socle. Ce qui devrait donner un super rendu. Bon, on verra ça plus tard. Là, le socle, en fait, j'aime bien le laisser comme ça. Pour l'instant, peut-être un ou deux éclaircies de plus par-ci par-là, comme ça. Parce qu'en fait, je veux pas le terminer. Je voudrais le terminer une fois que la figurine sera collée et terminée elle aussi, pour pouvoir corriger et unifier le tout. Donc, ça sert à rien en fait de trop s'acharner sur le décor pour l'instant. Je vais attendre que la figurine soit collée et après on fera les accessoires métalliques que je n'ai pas sous-couché d'ailleurs encore. Je vais vous les montrer. Il y aura ceci à faire et cela. Donc ça sera les parties métalliques à faire avec le bois. Je pense que je les ferai sur une séance spéciale métal, qui englobera la partie donc métallique et les finitions de la figurine avec les bottes. Je dois finir les bottes, corriger d'autres trucs. Il y a des choses dans le visage qui sont pas top, corriger et finir 2-3 détails. Donc ça fera une vidéo globale. Ça fera sujet d'une vidéo globale pour la prochaine fois. Et normalement, on devrait terminer le chercheur d'or donc le mois prochain. Prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo répond à quelques-unes de vos questions. Testez toutes ces couleurs, tous ces mélanges. Et surtout, il n'y a pas d'obligation de terminer le décor, puisqu'on va après pouvoir fignoler et arranger le tout. L'idée, c'est qu'il y ait une harmonie. On voit bien que le coffre n'est pas harmonieux encore. Disons qu'en termes de couleurs, il rejoint la peau, l'orange, rouge, tout ça qui vient avec une complémentarité du bleu. Mais la couleur n'est pas top là, donc je le fignolerai plus tard avec un marron, avec un orange. Je viendrai raviver les lumières, enfin, c'est pas dramatique. À très très bientôt.